give me a tear, please. Ouf, ouf, ouf. Ok, good loss. On n'a pas les mêmes early, bordel. Ah donc pour toi ça c'est un bon early? Ok, ok. On n'est pas Ludenlis parce que c'est de la merde. Question suivante. Oh, please. Nerf Timo face. Putain, finalement la tire est sur un truc à 1 gold. Tout est-ce qu'on prépare juste un stuff à Felios. Ah, fuck it. On joue à Felios. Diana va juste être ta porteuse d'items pour qui? Devine. Ah, on peut gagner Swarm peut-être. Sûrement même. C'est fort Gindu ce genre de fight. Moonlight? Oui, j'ai déjà gagné des games en 5 Moonlight. Pas de composants. Roll maintenant pour trouver Aphelios 2 et pour avancer sur les Lissandra. S'abuser le board quoi en gros. DNA 3 c'est pas ouf. La logique c'est que si je trouvais beaucoup de Sylas pendant que je roll, je pouvais faire un 5 Moonlight de transi. C'est pour ça que j'ai fait une deuxième DNA 2 et puis si elle passe 3 random ça fait une Lissandra 3 de transi également. Donc c'est pas si mauvais mais finalement j'ai trouvé Aphelios 2 donc je dégage. Avec une Kindred en prime. Enfin il y a beaucoup de possibilités au niveau des transitions que je peux utiliser. Faut pas penser trop carré en fait.
Il faut un peu ouvrir son esprit sur les possibilités. Il faut pas juste lire le guide Breakflip et jouer les champions finaux. Lui il va être chiant mais ça passe je pense. Non en vrai il va pas être si chiant que ça, il a le pire gear sur son dégât. Et c'est pas une Janna qui va faire tanker un Aphelios 3. Ok mais... Ah fuck, j'aurais pas ce que je veux. Ah si. Attends mais j'avance de ouf sur la Aphelios. Ok. Mais pas sur les Maokai. Ah, les paroles. J'ai perdu compte de 30 points. Mi Fig, mi Raisin le rôle. Hein. Sauf vu Kindred, mais du coup elle me coûte de l'écho. Pour Aatrox en dessous. En dessous de quoi? Ah, tu veux dire il est pas très joué? Parce que Vanguard c'est de la gigapisse à thème. Pas beaucoup de Lissandra, c'est bizarre. Pourtant personne la joue. Personne. Oh, oh le misclick. C'est que ce misclick il va me mettre bien en vrai. Parce que le Jarvan du coup il me lâche pas dessus. Et la Nidalee me met pas sa spire. Tout fouille même. Mais c'est un coup de chance quoi. C'était quoi cette spire? Il a visé une tour. Je suis sûr que c'est ça. Elle a visé une tour avec sa spire. Oh ce roll! Oh! What a nutty roll, bro! Holy shit, man! Zeke. Allez, me déçois pas sur la suite. On roll down, hein. Je sais pas quoi dire. Hein. J'ai juré, je sais pas quoi dire. Là, vous attendez tous ma réaction, mais y a pas de réaction en fait. Genre, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais actuellement pas ce qui est en train de se produire là. Je pense que tout le lobby va jouer Jax en fait, en voyant ça. Je sais pas. Elle est illégale cette game. Puis ils peuvent tous FF la game là. Hein. C'est fini là. Attends, il a un Aphelios en moins fort là. Very cute. J'ai juré il m'a scout. M'en fous, c'est juste un autre Zeker. Après c'est un autre Zeker. Hein. Plus de front. Et on chill. En fait, sa Ginzu elle va stacker tellement plus vite avec deux Zeker.
En vrai, le manque de QSS peut être pénible. Warwick, ça va être dur de le trouver parce qu'il y a lui. Il y a lui. Et... c'est tout, je crois. Et lui. Il va le vouloir aussi. C'est vrai que j'ai vraiment très très fort cru au double spot, là. Ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau. C'est juste un calice. Et une Ginzo. Qui build ça sur Akali? C'est pas mal sur Akali, c'est de la merde. C'est littéralement de la merde, y'a pas d'autre mot. Bon. J'hésite à faire ça. Genre enlever un hunter et rajouter un peu plus de front. 4 divine puis ça donne adepte. Zephyr est cool. C'est une spot divine, je pense.
un HP. Je pense que j'ai juste besoin de frontline. Hein. Les soldats, c'est parfait pour griffe la hache. Je mets chaîne ici. Comme ça, ce qui se passe, c'est que il prend le focus. Et parfois, il ult derrière le set avant que le set ult. Et parfois, il peut griffe le premier ulti du set. Ça peut tout changer. Mais ça marche pas tout le temps. Hein. Je pense que c'est pas nécessaire. Toucher dessus en fait. BG. Je dois faire une game de DK sur mon main aujourd'hui. Mais j'ai pas envie de la faire en stream. Parce que j'ai pas envie de montrer quand je tag.